Donc je m'appelle Éric Mézin, vous me connaissez tous? Non. Mais vous connaissez l'office des affaires... Vous connaissez l'office des affaires francophones? Non plus. L'Ontario est tellement grand, puis là je parle pas du Québec, là, mais l'Ontario est tellement grand et on est tellement dispersés que nos petites pochettes se sentent minoritaires partout. Mais la francophonie en Ontario, c'est immense. Nous, on a fait des petites réunions dans notre, au sein de la clé durant l'été, puis on a rencontré tous nos employés, puis on parlait de « c'est quoi la francophonie pour vous? » Puis pour eux, la francophonie, c'est pas juste la communauté alentour, mais c'est eux-mêmes. Nous sommes la francophonie, nous faisons partie de la communauté. Donc oui, on veut desservir la francophonie puis être au service de la communauté, mais nous autres aussi, on en veut des services. Puis travailler en français, avec des documents en français, avec des partenaires francophones, avec une direction qui comprend quand j'ai des problèmes en français, c'est important pour eux autres. On vient juste d'ailleurs, la semaine dernière, de partager les nouvelles données statistiques et on compte maintenant environ 611 000 francophones. À peu près. Les statistiques les plus récentes indiquent que les nouveaux arrivants francophones en provenance d'Afrique sont plus nombreux maintenant que les francophones nouveaux arrivants en provenance de France et d'autres pays. Oui, il y a des immigrants francophones qui aimeraient venir ici, sauf que la région n'est peut-être pas prête. Donc, comment on fait ensemble pour préparer la région, peu importe la langue de la personne qui arrive? C'est un peu ça, la francophonie canadienne d'aujourd'hui. Il y a tous les visages, les francophones qui proviennent de toutes les parts du monde, d'Afrique, d'Asie, etc. Vous avez des Vietnamiens, tout ça. C'est dire que nous avons une communauté très forte, une communauté qui est en train de grandir. Et c'est très important. Et comme on va le voir, c'est que bien qu'au niveau du Canada, le français est en baisse, mais il y a un regain avec... les nouveaux arrivants. Ça demande un courage extrême de quitter son pays, de faire le mouvement, de venir ici, d'essayer de s'intégrer à une nouvelle vie, nouvelle culture, nouvel climat, pour ceux qui viennent d'Afrique. Donc, c'est déjà tellement investissement d'énergie et de volonté qu'on va les laisser tomber à terre. Moi, c'est ce que je vois. Il faut être à l'écoute des différentes communautés francophones. Les jeunes en particulier. Pourquoi les jeunes, d'après vous? Pourquoi faut-il être à l'écoute des jeunes? C'est la relève, parce que c'est eux qui se font assimiler par l'anglais. C'est la relève, mais en même temps, ce problème, ce qu'on appelle le transfert linguistique, ça s'opère plus facilement parmi les jeunes. J'étais vraiment très content de voir tous ces problèmes, cette défense de la langue dans les écoles, dans cette région ici, Penetang, etc. Est-ce que cette ardeur-là de défendre la langue française, ça continue encore à exister aujourd'hui? Alors, je pense que les francophones se regroupent surtout en moment de crise, de façon très active dans les médias, sur la place publique. Mais quand il n'y a pas une crise, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas la lutte pareille. Oui, tu as raison. S'il n'y a pas de crise, on ne réagit pas. On devient un peu complaisant. Donc, c'est peut-être un petit peu ça, que ce soit à Penetang ou n'importe où ailleurs, il n'y a pas vraiment de moment rassembleur. C'est dû à ça. Sur le manque de ressources francophones, quand il y a une femme qui vient à la maison d'hébergement, on n'a pas beaucoup de ressources francophones. On n'a pas des dépliants en français, on n'a pas grand-chose comme ça. Puis, c'est difficile de garder du personnel francophone dans la maison d'hébergement. Le personnel francophone, ils viennent, ils travaillent peut-être un an, puis après ça, ils partent pour la grande ville. La francophonie a besoin de leadership, puis elle a besoin que le leadership se renouvelle aussi. Les gens, à un moment donné, deviennent fatigués d'être ceux qui font toujours avancer les dossiers. Donc ça, c'est important qu'on réussisse à engager les jeunes et à développer leur leadership. La francophonie a aussi besoin de ressources, je pense, pour se développer. Ça aide toujours quand les ressources sont au rendez-vous. Puis je dirais que particulièrement en santé, si on veut améliorer l'accès puis que ça donne du soutien à la communauté, il va falloir surtout travailler le dialogue avec le système de santé pour que ce système-là comprenne mieux les besoins des francophones. Puis aussi que les francophones comprennent mieux le système puis qu'on arrive à trouver des solutions ensemble. Vraiment, tu vois là où la capacité des ressources humaines commence à faire preuve qu'on a besoin des DG dans un organisme anglophone qui sont bilingues pour comprendre les deux
côté de la médaille, si vous voulez, là? On n'a pas beaucoup de solutions. On travaille avec ce qu'on a, puis on fait ce qu'on peut. La population que je travaille avec, c'est les femmes victimes de violence. Puis pour eux, s'exprimer en anglais, quand c'est pas leur première langue, c'est pas la langue qu'ils communiquent avec, c'est difficile. Ils s'expriment pas de la même façon, ils vont pas se défendre de la même façon. Puis c'est plus leur besoin, c'est de pouvoir aller en quelque part puis pouvoir s'exprimer en français à quelqu'un qui va leur comprendre en français. Je passerai un message à la communauté francophone en lui disant le plus possible d'exprimer ses besoins directement à l'entité et dans le système de santé quand c'est possible. Participer aux foires, c'est prioritaire. Parce que, comme je disais tout à l'heure, on crée des partenariats, on connaît c'est quoi les services offerts. Tu renforces ton partenariat après et ça permet de créer un réseautage qui est fort, qui est constructif. Et les autres vont venir se greffer pour que la communauté francophone reprenne conscience qu'ils ont le droit d'exiger des services en français, qu'ils doivent réapprendre à l'exiger et qu'on fait tout pour leur donner ces services. Le 31 mars, l'entente Canada-Ontario actuelle arrive à échéance. Elle devrait être renouvelée sous réserve de la signature par les ministres concernés pour 5 ans. Ça veut dire que les ministères vont bientôt faire un appel d'offres pour les prochains projets, la prochaine vague de projets, je répète, pour 5 ans. Ces projets passent par l'Office, parce qu'on doit faire une sélection de manière collégiale, mais il y a une sélection qui s'opère. Et je répète, les projets qui vont avoir une composante ciblant les jeunes vont avoir un traitement, vont avoir priorité sur les autres. Nous avons le rôle de... nous gérons l'entente pour le compte du gouvernement de l'Ontario. Donc, en d'autres termes, on centralise toutes les demandes. Les demandes s'inscrivent dans un budget très précis. Vraisemblablement, ça sera de l'ordre de 1,2 million sous réserve de la signature de l'entente. Mais on parle de ça annuellement, 1,2 million de dollars. On a des critères de sélection, on a des comités d'évaluation. Si vous vous rappelez, parmi les critères de sélection, le plus important, ça va être... Merci, la jeunesse. C'est un travail consensuel. L'idée, bien sûr, c'est de s'assurer qu'il y ait une représentation raisonnable pour pas que tout à un seul ministère et rien aux autres. Il faut trouver cet équilibre. Bien, je pense que ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on parle beaucoup de services en français, de culture autochtone, par exemple. C'est beaucoup les discussions qu'il y a aux tables. Je pense qu'on a de la misère à se définir en tant que francophone. C'est quoi notre culture? Être francophone, c'est pas juste avoir le papier en français. C'est important d'avoir le service adapté à la culture. Mais quand on parle à des agences qui ne connaissent pas la culture francophone, ils se demandent, bien, ça veut dire quoi, ça, sur le terrain? Qu'est-ce que ça représente? Le français est un outil économique que les nouveaux arrivants francophones et les francophones de l'Ontario devraient utiliser à bon escient. Et ce n'est pas encore le cas. Donc, mon grand message, vivons le français, engageons-nous, soyons ensemble. C'est là un grand message rassembleur que je voulais pour la communauté. La francophonie, c'est plus que juste la langue. C'est une culture. Et que même si en ce moment, les gouvernements sont très alertes aux besoins des Autochtones, c'est de faire des liens avec ces partenaires-là. Nous, on se retrouve souvent à des tables où les Autochtones sont présents et on trouve toutes sortes de choses en commun avec eux autres. Alors, c'est d'apprendre de ce qu'eux autres sont en train de développer avec les aides des gouvernements et de continuer dans le même sens. Puis, ce qui arrive, c'est qu'on ne doit pas attendre à une crise, qu'il y ait une grosse crise pour pouvoir se rassembler. C'est important de continuer à aller de l'avant parce que les Autochtones, eux autres, ils ont perdu leur langue, ils ont gardé leur culture. Nous, on garde notre langue, on est en train de perdre notre culture. Fait qu'on a peut-être des choses à apprendre d'eux autres aussi. Alors, c'est de garder les liens serrés.